Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog post-confinement. C'est vrai que ça faisait très longtemps puisque le dernier vlog date du mois de février, que là on est le 1er juin. Donc j'avais super hâte, mais c'est vrai que pendant le confinement, même si ça aurait été possible de filmer, au final les journées, les semaines étaient tellement décousues que bon, ça n'avait pas grand intérêt. Mais le rythme reprend, même si tout n'est pas redevenu à la normale. Donc voilà, je suis super contente de reprendre la caméra pour vous avoir avec moi toute la semaine. Allez, changement de décor. Donc ce matin, le programme, c'est emballer toutes les commandes du week-end. Donc là, j'avais déjà commencé à en préparer et puis j'en ai quelques autres à faire également. Donc j'ai, je sais plus, je crois, pas loin de 20 colis à faire. Et moi, si j'étais embauchée chez Amazon, je pense que je ne ferais pas la journée parce que je m'ai à peu près une heure pour faire 10 colis. Donc je pense que je me ferais virer vite fait. Si vous avez déjà reçu mes colis, je pense que vous comprenez pourquoi ça prend du temps. Donc voilà, et ensuite j'ai les nouveaux shampoings solides à emballer. Donc ils sont tout juste secs, je les ai libérés hier et là il me reste à les emballer. Bon bah voilà, tous les colis sont prêts, j'ai mis une heure donc c'est super bien. Heureusement j'avais commencé à préparer hier, comme ça m'a gagné du temps. J'en profite vraiment pour vous remercier très chaleureusement pour toutes vos commandes. C'est vrai que le confinement a été une période assez compliquée. Heureusement, on s'en sort fièrement grâce principalement à trois choses. La première, c'est vos vagues de partage sur Facebook qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et qui ont fait connaître la savonnerie à beaucoup de gens. Donc merci pour ça, continuez à partager. Enfin, la deuxième chose qui nous a bien servi, c'est les cadeaux de fête des mères, les fameux cadeaux, les savons maîtresses que je vais vous montrer. Donc là, il me reste le flower. Donc il y a marqué merci maîtresse. Et le mon ange, voilà. Et tous les cadeaux, fête des mères, maîtresse, etc. Fin d'année, ça a été, c'est vraiment un gros succès. Donc ça, c'est vraiment génial aussi. Donc c'est en grande majorité tout ce qui se trouve dans ces colis-là aujourd'hui. Et puis la troisième chose qui nous a sauvé pendant cette période, c'est mon e-book dont je vous parlais. Au dernier vlog du mois de février. Donc grâce à cet e-book, ça permet aussi de faire vivre la savonnerie. Donc merci également à tous ceux qui l'ont acheté. Et je vais m'occuper donc des nouveaux shampoings. Alors c'est les mêmes, c'est des nouveaux mais c'est les mêmes. Mais maintenant en fait, voilà, ils existent en grand modèle. Donc ceux-là, il faut que je les emballe pour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui les attendent. Alors concrètement, voilà comment ça se passe. Ces nouveaux shampoings se présentent comme ça. Alors ce n'est pas un emballage plastique. C'est un sachet qui est fabriqué à 100% à base de maïs. Et donc qui est complètement biodégradable et que vous pouvez même composter. Donc voilà, je trouvais l'idée sympa pour voir le shampoing tout en le protégeant à l'intérieur. Et puis donc vous avez la petite carte avec qui vous donne donc les conseils d'utilisation, la liste des ingrédients, etc. Bon, et c'est parti, il est 13h et on ouvre à 14h, donc je vais commencer à installer tout le stand. On y va! Thank you.
Et voilà, il est 17h, donc maintenant c'est l'heure de tout ranger. Et puis jusqu'à samedi prochain. On est super contents parce que c'était vraiment un succès, cette ouverture exceptionnelle. Vous êtes venus nombreux, donc ça nous a fait très très plaisir. Merci à vous. Et puis maintenant on va se reposer un petit peu parce qu'il fait chaud et c'est fatigant tout ça. Alors aujourd'hui, mon petit de 7 ans retourne à l'école, donc je vais l'emmener. Et ensuite, j'ai tous les colis à étiqueter et je vais les déposer à la poste en allant à la boutique de Créateurs de Rambouillet, puisque ce mois-ci, donc du 2 juin au 27 juin, je redépose une partie de mes produits à la boutique de Créateurs de Rambouillet comme l'année dernière. Donc profitez-en si vous n'êtes pas très loin pour aller jeter un œil. Donc voilà, j'ai préparé les savons, les shampoings, les petites étiquettes de prix. Et donc je vais emmener tout ça tout à l'heure à Rambouillet, je vous montrerai ça. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire un savon nature. Donc là j'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Donc là il y a les huiles, les beurres fondus et dans le fond, dans l'évier, il y a ma soude caustique. Et là j'ai mon moule et aujourd'hui en fait je teste un nouveau chemisage que Julie de chez Bulle & Maille m'a envoyé pour que je teste. Et donc c'est un chemisage en silicone, donc silicone alimentaire. Et ma foi, je vais essayer ça. Donc là, pour le moment, j'ai pas de pince, donc je l'ai scotché avec mon petit scotch en espérant que ça tienne bien. Je me suis quand même gardé quelques scotches d'urgence au cas où. Et puis on y va, on va faire le mélange et puis couler ce beau savon nature. C'est parti. Je vais récupérer ma marmite. Alors dedans, là, il y a donc du beurre de karité, de l'huile de coco, du beurre de mangue et du beurre de cacao. Là, j'ai l'huile d'olive. Et ici, l'huile d'amande douce. Donc ce savon nature, c'est donc des beurres et des huiles végétaux et de la soude caustique. Et c'est tout. Celui-là, il est sans parfum, sans couleur. Thank you.
Ben voilà. Ben en tout cas, le scotch a tenu. Maintenant, je vais le refermer avec son couvercle. Et puis, on redécouvra ça. Et ben, vendredi, dans 2 jours. Et voilà. Alors là, il est 11h30 et je profite d'avoir un petit peu de temps avant de manger pour libérer ce lot de savon au miel. Parce que bah, ce mois-ci, c'est le savon en lot de 3 en promo et donc le savon miel. Et donc du coup, comme j'en ai plus beaucoup là, parce que ça a déjà bien marché, il faut que je libère un nouveau lot pour pas être en rupture. Donc là, je vais peser. Et puis ben après, je vais faire toutes les étiquettes. Alors aujourd'hui, je vais faire du shampoing. Donc du coup, j'ai changé le matériel. J'ai mis le bain-marie donc pour faire des shampoings mangue et argile blanche. Et puis, pendant que tout ça, ça fond, je vais emballer. Je vais vous montrer de l'autre côté les savons cupcake. Donc là, je viens de les libérer. Donc c'est les cupcake flower, donc vous les aviez vus je crois en vidéo ou en photo du moins sur Instagram et Facebook. Donc là il y a avec le cœur et avec la fleur, donc j'ai préparé les étiquettes et les emballages et donc je vais faire ça pendant que mes shampoings font au bain-marie tranquillement. Et puis voilà, je vous montre tout ça en images. Thank you.
Allez, on est vendredi et ce dernier jour, donc on va terminer la semaine en découpant et en démoulant ce savon nature. Ce chemisage est nickel. Magnifique. Voilà.
Bon, et ben c'est sur ces belles images du savon nature que ce vlog s'achève. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao!